D'abord parce que c'est un honneur de marrainer ce cinquième colloque, en tout cas congrès des villes numériques. C'est une association qui travaille depuis un quart de siècle sur le sujet, puisqu'ils ont vu la progression du numérique dans les collectivités depuis 25 ans. Je trouve que l'émotion qu'ils développent depuis 5 ans sont tout à fait en prise avec les réalités et les enjeux aujourd'hui très contemporains du numérique, dans une vision très transversale de l'action publique. L'association est vraiment un point d'observation depuis 25 ans, donc c'est extrêmement intéressant parce que pour nous, en tant que législateurs, qui sommes bien sûr à l'écoute des élus, des acteurs de terrain, puisqu'ils nous font remonter à la fois leurs préoccupations, mais toutes les problématiques, c'est vraiment pour nous intéressant de voir comment l'association a pu s'emparer de cette question-là, non pas comme un enjeu technique, mais comme un enjeu politique, c'est-à-dire qui doit être au cœur des politiques publiques et d'abord pour les citoyennes et les citoyens de notre pays, c'est-à-dire en termes d'usage, en faire véritablement un enjeu démocratique. D'abord, il doit y avoir une prise de conscience que la question du numérique est extrêmement importante pour les collectivités territoriales. D'abord parce qu'il en va de l'accessibilité, un droit qui est celui d'avoir accès à l'ensemble des documents, d'informations, des services de l'État, de façon générale, une égalité d'accès. Donc ça, c'est la première chose. Et qui dit égalité d'accès dit forcément fibre, dit alternative peut-être technologie, en tout cas l'ensemble des territoires de notre pays et de ce fait l'ensemble des populations doivent avoir accès au numérique. C'est un enjeu vraiment d'égalité, voire même d'équité. La deuxième chose, c'est qu'ils abordent les questions de gouvernance, ils abordent les questions de cyberattaque, ils abordent les questions de numérique responsable, ils abordent les questions aussi d'éducation au numérique. Vous voyez, ce sont des aspects extrêmement transversaux, très importants aujourd'hui parce qu'on est dans une société qui se transforme, qui évolue très vite, et les élus au numérique sont là pour forcément capter l'ensemble des bouleversements, pour trouver du coup des réponses publiques à ce qui touche d'abord nos concitoyennes et nos concitoyens. Et en cela, je trouve que c'est aujourd'hui une délégation très importante dans les exécutifs des collectivités territoriales. Les motions qui ont été déjà rédigées rencontrent des problématiques que l'on a abordées à travers des projets de loi ou des propositions de loi. J'ai parlé tout à l'heure de la loi 3DS et de la différenciation électorale pour montrer que effectivement il peut y avoir dans la mise en œuvre de ces politiques publiques une différence entre les territoires, puisque en milieu urbain, milieu très rural, enfin voilà, les modalités sont différentes. Donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est de lire ces motions comme étant une remontée vraiment des enjeux du numérique pour les collectivités et que nous, à travers la loi de finances d'abord, mais aussi à travers d'autres propositions de loi, d'autres projets de loi, nous puissions relayer, accompagner, voire même déposer des amendements qui permettent, eh bien, en tout cas, de donner des réponses à leurs questions, voire même de résoudre parfois les difficultés qu'ils rencontrent.